Voilà, nous sommes sur le plateau de notre émission à la découverte des activités de web. Et sur ce plateau, nous recevons une importante personnalité au cœur du peuple web. C'est avec lui que nous allons parler d'une importante entreprise en Côte d'Ivoire. Simplement, nous écoutons un peu de plage musicale avec quelques artistes qui nous ont quittés il y a quelques années. Pour certains, c'est cette année, paix à leur âme. Et là, c'est avec Ziabri que nous passons juste quelques temps ensemble. Voilà, pendant que vous écoutez cette belle plage musicale, hein, le temps que nous aussi nous partageons au maximum cette émission et que comme vous, merci beaucoup pour cette fidélité. Well,
Voilà, c'est avec Ziagbi, vraiment je donne de beaux souvenirs quand même à beaucoup de personnes. On va repartir encore pour nous souvenir de Simon Bozon, paix à son âme. Un artiste ne meurt vraiment jamais, hein, parce que tant que ses œuvres sont là, vraiment, on sera toujours avec l'artiste. Ouais. Oh, but I
Voilà, je vais saluer depuis sa position géographique, il s'est passé d'être encore avec nous en Côte d'Ivoire, saluer dignement cette maman qui a toujours eu un cœur généreux. Bonsoir, maman Denise Aguilly, et puis je vais saluer ma petite sœur Sonia Zoui. Merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous de notre émission au cœur des activités. Oui. Voilà, je salue aussi le président Déazon, Olivier. Merci beaucoup d'être là. Le temps que vous partagez au maximum cette émission, nous finissons avec une belle plage musicale. On a fait avec Simon Bozon. On va encore se souvenir d'un autre artiste qui nous a quittés. Il s'agit de Tebalo de Léonard, dont les funérailles ont eu lieu le vendredi passé. Personnel. Vraiment, les artistes, ils nous quittent comme ça, dans la fleur de l'âge. On ne sait pas pourquoi. Hein? Non, c'est vraiment déplorable. Hein? Vraiment, vraiment ça fait quand même mal. Voilà, nous avons été très heureux d'avoir partagé cette belle plage musicale avec tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui sont en train de partager en ce moment cette émission. Nous l'avons déjà fait dans beaucoup de groupes. Je l'ai dit, il s'agit de notre émission au cœur des activités. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une importante entreprise en Côte d'Ivoire et qui fait vraiment beaucoup de bonnes choses. Et nous allons tout savoir sur cette entreprise. Ici, nous recevons le directeur général de cette entreprise basée en Côte d'Ivoire, entreprise dénommée BMP, Bli Mango Production. Oui. Voilà, et le directeur général qui est là, M. Boblaye Taye Narcisse, qui est là pour présenter encore une fois de plus cette entreprise à tous les Ouais. À tous les Ivoiriens, parce que c'est une émission qui sera tout à l'heure mise en ligne sur le site internet www.radio-télé-web.com afin de permettre
à toutes les autorités, à tous les Ivoiriens et tous ceux qui ne sont pas des Ivoiriens et qui résident en Côte d'Ivoire, et permettre même à toutes les nations de suivre cette émission. Et c'est ça, c'est aussi ça, l'importance et la valeur d'avoir un site internet. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, un peu gagnant. Nous sommes vraiment très heureux que nous soyons avec vous sur ce plateau. C'est la première fois que vous êtes. Nous étions avec vous dans vos locaux aujourd'hui. C'est vous qui êtes dans nos locaux. Merci beaucoup d'être là. C'est à vous le merci. D'accord. Voilà, directeur général, nous sommes sur un plateau des ouais. Alors, de coutume, nous allons vous aller saluer tous les ouais. Vous allez les saluer en ouais, et puis ensuite, voilà, nous allons revenir dans notre langue molière. Un peu gagnant. Assez. Bon, maintenant, ou en gris, ou en bouton, 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 ou et nous avons t-shirté, nous avons et nous avons gardé tout de haut bon et nous. Et nous avons l'impression que nous avons tout de et nous avons déterminé. Et nous avons dit quoi? Nous avons au Kenya, pour au score, pour moi. Voilà, alors chaque fois que nous aurons des émissions, on profitera pour vous donner des informations. Alors pendant que le directeur général de BMP, cette entreprise spécialisée dans l'imprimerie vous vient de vous saluer en ouais. Je vous informe que AMAWAI, qui veut dire Association des mamans des artistes ouais à travers le monde, hein, tous les artistes ouais, ouais. Voilà, ont des mamans qui sont au sein d'une association qu'on appelle AMAWAI, ouais. Et qui est dirigée par la présidente Juliette Bozon. Cette association devait organiser une importante cérémonie en France. Oui. Et les fonds qui seront recueillis à travers cette cérémonie vont leur permettre de procéder à des œuvres sociales. Là, on peut parler d'écoles primaires, en tout cas, tout ce qui vraiment cadre avec le maternité. Social. Voilà. Voilà, et beaucoup d'autres choses aussi. Et il faut dire que le coronavirus, cette maladie du siècle, ouais, ayant vraiment fauché toutes les activités à Paris, alors cette cérémonie a été suspendue pendant un ou deux ans. Mais Dieu faisant grâce maintenant, au lieu de que cette cérémonie va se tenir en France, elle va maintenant se tenir en Côte d'Ivoire. Et la date vous sera donnée à notre prochaine émission, mais elle va se tenir en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez, c'est le 14 août 2021 qu'elle va se tenir en Côte d'Ivoire. Et c'est dans la commune de Yopougon, dans un espace vraiment somptueux. Voilà. Donc retenez très très bien, toutes les mamans AMAWAI arrivent en Côte d'Ivoire. C'est une chance pour nous autres, dont les cérémonies sont prévues au mois d'août. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, sur le plateau de notre émission, au cœur des activités ouais, nous recevons le directeur général, M. Boblaye Taye Narcisse, qui vous a salué en ouais. Mais maintenant, le DG, il va se présenter en ouais. De quel village, de quel département, il est de quelle famille? Je suis en Bangla. Oui, d'habitude, mon. Mais, d'ailleurs, vous avez mon. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait les deux étapes. Alors, directeur général, nous sommes sur ce plateau pour parler de BMP, Bli Mango Production. Oui. Voilà. Alors, cette entreprise, de façon géographique, est située exactement où? BM est située à Yopougon. Pour ceux qui quittent la CIPOS après la pharmacie Kenya, à 200 mètres à l'aile droite, après la banque BESIC, il y a un couloir, une galerie marchande, bien à l'avant-dernière maison. D'accord. Alors, donc, vous avez bien saisi, BM. P qui veut dire Bli Mango Production, c'est, le B c'est production. Non, BM, B c'est Bli, et M c'est Mango. C'est ça.
Maintenant, là, c'est P, c'est production. Production. Donc, voilà. C'est BM Pro. Voilà, BM Pro. Alors, comme il a dit, cette entreprise est située en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle est précisément dans la commune de Yopougon, en face de l'hôtel Astoria Palace et à côté de l'ancien cinéma qu'on appelait Cinéma Dialogue. Quand vous êtes là, alors tout à l'heure, vous aurez les contacts. Mmh. Alors, DG, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? BM, si je l'ai dit tantôt, c'est une imprimerie. Mmh. Une imprimerie qui, entendu par cela, des t-shirts, quand on veut imprimer, on veut faire des choses, imprimer sur les t-shirts, mmh. on se rend à BM. BM te fait des impressions sur tes t-shirts, sur les gadgets. Et même si tu as une cérémonie telle que les mariages, les cérémonies de deuil, BM aussi couvre parce qu'elle a des caméras, elle a des drones, donc elle couvre tous ces événements-là. Et même si tu veux encore confectionner des pagnes, il faut dire que BM, c'est une institution pluridimensionnelle parce que nous faisons des pagnes, nous faisons des... On ne s'arrête pas sur les t-shirts. On fait la confection des maillots. Mmh. On fait la confection des maillots et on vend même les maillots à l'intérieur de BM. Et on fait des impressions sur des pagnes, sur des t-shirts, sur des casquettes, sur des stylos, des verres. BM est une spécialisation dans tous ces domaines. Alors, BM aussi fait des bacs numériques. Mmh. On fait des bacs numériques. On fait beaucoup de choses. Tous ceux qui ont des soucis pour les imprimeries peuvent passer à BM. On fait aussi des formations à BM. Des formations aussi. On fait la formation en Corel, en InDesign, en Photoshop. On a des formateurs qui résident au sein de BM, qui donnent des cours. Donc, c'est une structure pluridimensionnelle, comme je l'ai tantôt dit. D'accord. Alors, quand nos frères, hein, nos parents, nos grands frères, nos oncles mettent des moyens pour mettre en place des entreprises à responsabilité limitée ou des entreprises anonymes, ou bien que ce soit des petites et moyennes industries ou des petites et moyennes entreprises, il faut que nous qui sommes aussi des ouais, nous puissions aller vers les entreprises qui ont été bâties par nos parents afin de faire circuler l'argent à notre niveau et c'est le ouais qui gagne. C'est voilà. Ça. Mais est-ce que en venant vers l'imprimerie de notre frère et pour faire par exemple les bâches numériques, pour faire tout ce qui est du domaine de l'imprimerie, alors le frère ouais qui vient vers vous, est-ce qu'il bénéficie des faveurs? Oui, bien sûr, parce que là, Blimango même l'a souligné, il dit qu'il a mis cet outil sur pied pour ses frères, pour ses amis. Donc, quand ils arrivent, on met le côté marketing de côté, mais on peut aujourd'hui soutenir quelqu'un qui est vraiment dans les problèmes quand il arrive, on peut aussi faire avec, ne serait-ce que enlever les moyens qui sont les capitaux de la structure, et puis bon, lui faire des faveurs, il n'y a pas de problème. On s'arrange à faire des faveurs souvent. D'accord, mais quand on vient pour faire des impressions sur les tricots ou bien les pagnes, ou bien bénéficier de bâches numériques, etc., etc., quand vous faites des faveurs, par exemple, quelqu'un qui bénéficie d'un travail fait à crédit, est-ce qu'aujourd'hui, il est facile pour vous aujourd'hui de pouvoir encaisser les crédits? Est-ce que le problème des crédits, bon, on ne le souhaite pas. Quand tu ne peux pas, tu laisses. C'est pourquoi on fait des faveurs. Alors que l'entreprise a besoin aujourd'hui de vivre selon ses travaux qu'elle fait. Donc, quand tu viens et que tu vas faire ça à crédit, ça veut dire que c'est l'entreprise même qui produit. Alors que quand tu viens produire, tu dois donner une avance pour que la société puisse fonctionner. Mais quand tu viens pour faire un crédit, c'est pas vraiment commode pour la société. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des créanciers
vraiment qui vous fatigue en termes de dettes non payées, qui empêche aussi les autres de continuer de bénéficier des crédits? Oui, bon, on en a suffisamment, mais on préfère taire les noms, et même s'ils connaissent, sinon il y a des gens qui nous ont mis dans les problèmes dans ce cas. On a vécu énormément de problèmes, même Bimango, même qui a mis sa structure sur pied, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, il est déçu par l'attitude des créditeurs, c'est pas normal. Oui, parce que une chose est de venir vers l'entreprise de notre frère, parce que on veut bénéficier des avantages tels que on fait mon travail, après je paye, mais une autre est vraiment de respecter sa parole. De respecter sa parole. Et de payer l'entreprise pour qu'elle fonctionne, pour que demain tu puisses revenir encore pour demander du crédit. Parce que, je ne sais pas, ceux qui persistent encore dans ça, il faudrait qu'ils se démarquent de cette idée-là, parce qu'elle ne peut pas prospérer les sociétés. Voilà, donc vraiment la présidente Béatrice Tikouraga, la présidente Maman Juliette Bozon, vraiment nos frères, ils ont d'importantes entreprises en termes d'imprimerie, quand il s'agit de faire les bâches numériques, quand il s'agit de faire tout ce qui entre dans le cadre de l'imprimerie. Mais le problème aujourd'hui, c'est que faire le travail à crédit, et puis après l'entreprise va courir après vous pour amortir le crédit, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable, et puis bon, on peut faire avec parce que nous sommes entre nous frères, mais si on rentre dans le contexte du marketing, c'est pas faisable. Et là, moi, je profite pour dire à tous les créanciers de cette entreprise vraiment de faire tous les efforts qu'il faut pour payer l'argent que vous devrez, parce que cette entreprise a besoin de tourner et aussi de faire des faveurs à d'autres clients. Parce que quand tu ne peux pas respecter tes engagements, ça veut dire que tu es en train de tuer l'entreprise. Et ce n'est pas nous, les Ouais, qui allons tuer les entreprises de nos frères Ouais. C'est pas bon. Tu mets en difficulté l'avancement de la structure. Il faut aider nos frères à aller de l'avant. Alors que nous avons besoin de l'aide, effectivement. Donc, c'est que même ils sont censés nous aider. Si et encore, ils nous mettent dans cet embarras-là, ce n'est pas bien. D'accord. Alors donc, nous avons sur le plateau le directeur général de Bli Mango Production, une entreprise spécialisée dans l'imprimerie. Il est sur ce plateau aujourd'hui, notre invité de ce jour. C'est nous qui l'avons invité pour vous présenter son entreprise qu'il dirige en Côte d'Ivoire. Alors, tous les Ivoiriens qui sont dans des besoins de faire des bâches numériques, des cartes d'invitation, des t-shirts, imprimer des t-shirts, imprimer des pagnes, faire des calendriers, et même quand il y a des campagnes législatives, municipales, présidentielles, on peut aussi se tourner vers vous. Oui, mais justement, nous sommes spécialisés dans la production des t-shirts. Même au niveau des établissements scolaires, on en a produit, ils ont été satisfaits. Donc tous ceux qui ont des établissements, ils peuvent venir aussi vers vous pour les t-shirts des élèves. Ils viennent déjà, on a été faire beaucoup, ils ont été satisfaits de notre prestation. Après, il y a eu des élections, tous les candidats, certains qui sont venus avec nous sont très satisfaits aujourd'hui de notre travaux. Surtout qu'ils viennent avec un grand nombre de commandes, mais on a fait nuit et jour, c'est décarcassé, on a produit un très bon travail, ils sont satisfaits. D'accord. Merci beaucoup, DG. On vous sert pour votre rigueur dans la gestion des affaires publiques. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et là, je veux encore saluer Maman Juliette Bozon, saluer Béatrice Tiekoura. Et puis, voilà, je salue Sonia Zoué. Voilà, Sonia Zoué, tu es incomparable, ma petite sœur, tu es incomparable, tu es génial. Voilà, je suis vraiment fier de toi. Jeff Junior Gbe, on t'a laissé un message de nous appeler, tu ne l'as pas fait, voilà. Bonsoir depuis ta position géographique, tu vas dire que tu as tenté de nous joindre à travers Messenger, il faut composer notre numéro manager, voilà. Bon, je voudrais saluer ici... On profite pour saluer, déjà. Je profite de l'émission pour saluer un frère qui a pensé à nous, qui est venu vers nous pendant l'année
la rentrée scolaire 2020, qui nous a offert lui-même son lycée, d'accord. Et puis qui nous a mis en contact avec beaucoup de lycées. Ah mais non, il faut le saluer. Il faut le saluer, le on tient vraiment à le saluer. Mmh. Il a vraiment fait, il s'appelle Dac Clément. L'inspecteur Dac Clément. L'inspecteur Dac Clément, il est à saluer. Je te salue ici parce que tu as été l'un des grands frères de la région qui a pensé. Et je sais que tu as toujours pensé comme ça. Merci beaucoup pour ton geste que tu as fait et continue de le faire. Bien compte vraiment sur toi au cours de l'année 2021. Voilà, merci. Inspecteur Dac Clément, c'est vraiment une fierté pour nous. Certainement, les remerciements vous ont été adressés par ci et par là, mais cette fois de façon publique et au plan international, ensemble nous vous adressons nos vifs remerciements pour ce acte que vous avez posé et c'est ce que nous recherchons pour l'avancée des entreprises de nos frères, de nos propres frères à nous-mêmes et ça, Dieu ne cessera pas vraiment de vous bénir dans ce sens. Et vraiment, nous vous demandons de continuer toujours de le faire. C'est Dieu qui vous payera. Voilà, DG. Merci. Merci beaucoup, inspecteur. Voilà, DG, on a quelqu'un encore à dire merci. On peut aussi remercier tous les Non, je remercie tout. Je remercie tous les partenaires voilà. Parce que nos partenaires aujourd'hui, nous sommes des amis. Mmh. On est tout le temps en collaboration. Je salue tous les amis de BM, tous ceux qui viennent prendre des renseignements, qu'ils reviennent. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que BM a fonctionné sans état d'âme, sans fausser, sans faillir à sa tâche. On a été correct dans nos travaux. Ils sont contents, nos partenaires sont contents. Je leur dis merci encore ici. Merci beaucoup. Voilà, Thédé Marie, bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, Thédé, je vais compter le nombre de fois que tu as partagé cette émission et je vais vérifier tous ceux à qui tu as partagé cette émission. Sonia Zoué, je sais que toi, tu n'as rien fait, c'est au moins 40 personnes que tu as partagées. Et non, là, je ne parle pas de ma maman Béatrice Tiekoura, je ne parle pas de maman Gillette Boson parce qu'elle est vraiment cartonnée. Voilà. Et puis, Manadia Jeff Junior, nominé cette année, il faut cartonner. Voilà. Alors, donc, c'est ça, DG. Alors, on va aller pas à pas, DG. Okay. Au niveau des bâches numériques, il y a beaucoup commandé aussi, les bâches numériques. Oui. Les prix varient de combien à combien, voilà. Bon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, surtout à Yopougon, parce que chaque quartier, le prix varie selon le coût des travaux. C'est ça. Donc, si on fait plusieurs bâches, il y a un prix. Et quand on fait un bâche, il y a des bâches de 15 000. Il y a des bâches de 15 000. Il y a des bâches de 25 000. Il y a des bâches de 25 000, voire 40 000. Ça dépend de la dimension choisie. Il y a des bâches de 5 000 aussi. Ça dépend de chaque dimension choisie. D'accord. Alors, vous qui aimez bien faire les anniversaires comme moi, en tout cas, si vous voulez faire vos bâches numériques, n'hésitez pas de vous rendre à BM Production. Voilà. Si vous avez aussi des t-shirts, vous qui faites les mariages, là. Si vous avez des t-shirts de mariage à faire, tout ça, voilà. Et même et puis aussi, Libango, il est venu, il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a encore nourri son entreprise de machines adéquates parce qu'il a fait venir une flotteur qui fait, qui colle des écritures en or sur les t-shirts. D'accord. Ça, c'est ce qui est courant présentement. Mm-hmm. Mais compte tenu du coût, les gens produisent moins. Et lui, il a dit bon, de diminuer pour que les gens viennent produire beaucoup. Donc, le fauteuil, on l'installe bientôt. Ils auront ça et puis il n'y a pas de problème. D'accord. On va saluer aussi le PDG Blimango. Le PDG, il est vraiment à saluer parce qu'il il a toujours pensé à l'évolution, à la relève de ses frères. Et il a toujours pensé. Parce que ce qu'il fait ici aujourd'hui, c'est pas pour lui, c'est pour ceux qui sont ici. C'est pour ses parents. Sinon, lui, il n'en bénéficie rien. Quand il travaille, il envoie. Mais il faut que la structure même, elle soit quand même autonome. Sinon, si on lui demande une machine, il envoie. Mais il n'a pas été déçu. Et je pense que le travail est correct. Et là, il faut vraiment lui dire merci parce que d'abord, être en Europe, ce n'est pas chose aisée. Là-bas, c'est la bataille pour l'existence humaine. Oui. Et avoir des projets aussi, c'est vraiment une autre phase de la vie qui constitue un combat. Et Bli Mango a investi en Côte d'Ivoire pour monter une entreprise d'imprimerie.
Et comme vous l'avez dit, ce n'est même pas seulement que l'imprimerie. Oui. Quand vous avez, on a besoin de vous aussi pour la couverture des cérémonies. Oui. Tout ça, vraiment, vous êtes au dispo. Oui. Vous avez parlé aussi de formation. Oui. Mais la formation à votre niveau, vous avez dit tout à l'heure, c'est en quoi on se forme? On se forme en chorale, en infographie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les infographistes, ils sont moins en Côte d'Ivoire. Oui. Ceux qui ont été formés ne sont pas beaucoup. C'est ça. Donc, nous, on profite de l'occasion pour les former. Mmh. Quand tu es formé, tu peux former. Donc, on forme en infographie, en Corel, en InDesign, en Photoshop. C'est des formations qui sont rares. Et les gens trouvent que c'est difficile, mais les enfants courageux, les jeunes courageux peuvent le faire. Et que, quand ils réussissent là-dedans, ça nourrit son homme. D'accord. Alors, quels sont les jours de vertu et quelles sont les heures de vertu? Les heures de vertu, à 7h30, du lundi au samedi. D'accord. Le samedi, c'est à 18h qu'on ferme, sauf dimanche, parce que c'est les jours de prière. Donc, le dimanche, l'entreprise est fermée. D'accord. Et là, on va donner tous les contacts du directeur général. Les contacts, il y a le 07, 09, 23. 97-18, d'accord. Il y a le 05, 06, 62-63-17, il y a le 01, 70-58-23-26. D'accord. Alors déjà, nous avons présenté l'entreprise au monde entier. Oui. Maintenant, en ouais, oui, vous allez vraiment redire ces choses-là à tous les ouais, oui, et les appeler en même temps à venir vers vous pour tous les travaux. Mais madame, à retour, n'a pas eu un bon à mon poney, on a beau marcher ma gaza, ma poire de ouzon. À la dé, à la fin, à la du, au moins pour imprimerie à bout de la Côte d'Ivoire. Et mais nous, à la beau, à la bois, on a imprimerie, mais bah, c'est à la beau, nous en a baugué, baugué, nous retour à dire, was à qui est né. Parce que, et nous avons un bon, nous, on a bon, on a beau avoir d'adou, on est ni de nous, ni de moi, on a d'adou, on a bon. Mais à votre tour, à un atelier, à Ogi, à Ogi, à Ogi, à Ogi, à BM, BM, et Néo, et Diawagnimo, à Ogi, 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 bo ça y dit boum ba au pas bon magasin et dit et va y avoir yé magasin ya boire bo basic bam basic moi bon bien nene mais au giwa ya wa bon avant na to de non non idée a retour quand on na nous de nous en français wa yi fait du pouvoir nous quoi mais au bad bon na au gi au wa de nous wa wa tricot et de pays qui va chapeau de pays de bon y a mon lui me wan wan bon me kanyo ka me gien ya autre moment na. Voilà, alors donc c'est totalement bien saisi. Merci beaucoup directeur général. On a oublié quelque chose. Bon, je pense pas oublier quelque chose, mais je pense avoir dit l'essentiel. D'accord. Ouais. Voilà, donc nous allons récapituler pour dire que l'entreprise Blimango Production est une entreprise spécialisée dans l'imprimerie de grande envergure comme de petite envergure. Tout ce qui est travaux d'imprimerie, qu'il s'agisse de la confection des cartes d'invitation, des cartes de mariage, des faits-parts. Des faits-parts, voilà. Des bagues. Des bagues, des faits-parts. Les PCV, les cartes PCV. Voilà. Tout ça, ça se passe là-bas. Ça se fait là-bas. Mmh. Voilà, ça se fait vraiment là-bas. Mmh. Et comme je... Voilà, comme je l'ai dit, quelques problèmes techniques. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin de notre émission. Retenez que nous étions avec Monsieur le directeur général adjoint
C'est ça ce qu'on peut dire si Bli est le DG. Non, lui est le PCA. Ah, le PCA. Ouais. D'accord. Le PDG. Le PDG. C'est tout un ensemble d'activités. Oui, c'est le PDG dans l'organigramme, c'est ça, il est le PDG. D'accord. Le fondateur et le PDG en même temps. Merci beaucoup. Mmh. Voilà, DG, nous avons commencé en ouais, les salutations. Oui. Vous allez dire aussi au revoir en ouais et donner rendez-vous au peuple ouais. Bon, même à. Il y a quand même pour aussi même avoir au mépris mais bon on déjà est gras mais quand là il doit maintenant y bien y avoir des pays qui les demandent y avoir des trucs dans le nouveau monde mais bon déjà tout mon carrière est gouaya ma pour aussi quand même ma pour aussi les gras ni moi mais ma pour aussi quand après rendez-vous de bien y avoir bon on y bien mais à dire de bien. Voilà, c'est totalement bien dit, comme je l'avais dit au début. Il faut vraiment investir, je dirais, il faut orienter hein, notre argent qui se trouve avec nous dans les activités de nos frères et sœurs ouais. Il faudrait que nous ayons la pensée du Ouéon leader. Il faudrait que nous nous battions pour que partout où se trouve un Ouéon en activité, ce que nous pouvons faire pour que les activités ou l'entreprise de notre parent Ouéon puisse aller de l'avant, il faut le faire. Aujourd'hui, voilà le directeur général, M. Boblaé, qui est le DG de l'entreprise BMP, qui est une entreprise bâtie par le PDG Bli Niaye Félix qui réside en France et qui est en Côte d'Ivoire pour quelques jours. Je pense que dans quelques heures, il prendra son envol. Et puis voilà, il faut vraiment venir tout ce qui est en une minute. Allez-y. Parce que il faut dire aussi que ce jeune, il est vraiment bon. Mmh. Parce que quand il est venu en vacances, il n'est pas venu les mains vides. Hein. Mmh. Il est allé au village saluer ses parents. Et en leur donnant des pagnes, hein, des pagnes oises, comme c'est on le dit, communément ici, c'est des pagnes qui coûtent cher. Et il est parti, je pense. Et cette année, il est en deuil. Hein, et alors qu'il est au village, étant en deuil d'ailleurs, il a pu quand même satisfaire ses parents en leur offrant des pagnes, des dames qui sont quand même contentes. Il y a même des dames qui ont coulé les larmes de joie. Il leur a offert des pagnes chacune. Je pense qu'à Guéhépé, il a donné 50 pagnes. Dans quel village encore? Donc, il a donné aussi à Glodé. Il a fait des dons à Glodé aussi. Et les gens se demandent comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Et ce n'est pas quand on veut qu'on fait quelque chose. C'est pas que... On pense toujours à la politique. Alors qu'il a l'envie de faire quelque chose. Les gens se demandent, mais pourquoi Blimango, il aspire à quoi? Est-ce que bon, écoutez, il fait du bon cœur. Hein. Il fait tout ça du bon cœur. Bon, comme on peut dire souvent qu'il a besoin de quelque chose, mais il aide aussi. Même ceux qui veulent, ils viennent le voir et ils les aident. Il accompagne certains. Il accompagne ses grands frères même. Donc, il est généreux, c'est tout. D'accord. Il est généreux, c'est voilà, quelqu'un. On va rappeler le numéro du directeur général encore. Le numéro, c'est le 07. 09 23 97 18 et le 05 06 62 63 17 le 01 70 58 23 26. Voilà, aujourd'hui nous avons parlé d'imprimerie avec l'entreprise BM Production dirigée par monsieur Boblaé Narcisse Digne fils du peuple ouais qui nous a parlé de cette entreprise spécialisée dans l'imprimerie, tout ce qui est bâche numérique, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est les tenues de travail, cartes d'invitation, cartes de mariage, les faire-part, les badges, en tout cas tout ce qui entre dans le domaine de l'imprimerie, la sérigraphie aussi. Oui, c'est la sérigraphie qui confectionne les pagnes. C'est tout ça qui est l'imprimerie. Oui, c'est ça qui est l'imprimerie. D'accord. Parce que les pagnes dont j'ai parlé, c'est la sérigraphie qui fait c'est les ça. Pagnes. Et même les tenues scolaires aussi, c'est la sérigraphie qui fait. D'accord. Voilà. Alors, ils sont basés en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et allons un peu plus loin pour aller en eau profonde. Ils sont dans la commune de Yopougon, en face de Astoria, l'hôtel Astoria Palace. Et ils ne sont pas tout loin de la pharmacie Kenya. Ils sont collés à l'ancien bâtiment
appelé Cinéma Ex Cinéma Dialogue. Voilà, c'est sur cette note que nous allons nous séparer. Portez-vous bien chez vous et croyons en ce que nous faisons.